Bonjour tout le monde, mais vous êtes comme moi, nous sommes en confinement, ce qui ne nous empêche pas d'avoir une petite activité physique, alors ne serait-ce que chez nous, ou au bord de chez nous, hein. Mais ce qui est important, c'est toujours de rester souple, hein. Donc je vais vous proposer un petit échauffement, hein, des petits assouplissements, hein, que tout le monde peut faire chez lui, vous repasserez la vidéo autant de fois que nécessaire, et on va commencer donc par la tête. Donc ce qu'il faut faire, on va pencher le menton vers l'avant et puis la tête vers l'arrière. Donc vous mettez les mains sur les hanches comme ça. Et puis on fait voilà, menton sternum et on bascule vers l'arrière. Et puis à droite, à gauche. Et vous faites des petits tours complets. Dans un sens et dans l'autre. Hein. Ensuite, voilà, on croise des mains. Et on tire vers l'arrière, on croise, on tire, on croise, on tire, c'est simple. On monte sur la pointe des pieds, puis on tire vers le haut, comme ça. Hein. Voilà, donc plusieurs fois de suite, hein, évidemment, vous faites à votre rythme. Hein. Je vous montre simplement le mouvement. Voilà, ça c'est important. Et puis alors, on tend les bras, et puis on fait des petits cercles, dans un sens et dans l'autre. Dans un sens et dans l'autre. Voilà. Ensuite les mains. Donc voilà. Vous regardez votre main, l'intérieur de votre main, comme si c'était un miroir. Et vous orientez le pouce vers l'avant. Avec la main contraire, vous tirez bien le pouce et vous descendez le long du sternum. Même si ça craque un peu, c'est pas bien grave. Et bien souple, c'est important, tout doit être bien chaud. Les épaules, vous faites des tours comme ça, en avant, en arrière, en avant, et en arrière aussi, ça c'est important. Ensuite, toujours les mains sur les hanches, hein. Ça évite de bouger le reste du corps. Vous tournez légèrement le bassin vers la gauche, puis vers la droite. Gauche, droite, gauche et droite. Ça, c'est important aussi. Hein. Et puis alors, donc là, je vous montre, c'est un résumé, c'est une synthèse. Mais il faut poursuivre le mouvement, il faut faire une dizaine de mouvements de chacun. Ensuite, on va descendre sur la pointe des pieds en tendant les bras vers l'avant. Doucement. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. On va faire une rotation des genoux, comme ça. Pareil. Pour que toutes les parties du corps soient bien chaudes. Hein, c'est important ça. Hein. Avec quelques mouvements au sol. On tourne bien les chevilles. C'est important. On change de jambe. On joint les deux plantes de pied, on les tient bien, voilà, et puis on bat les ailes comme un papillon pour libérer les hanches. Pensez toujours à respirer en même temps, inspire par le nez, expire par la bouche. La tête bien droite, on expire. Descendez légèrement la tête vers l'avant, c'est pas la peine de forcer, ouvrez les bras, descendez vers les pieds, doucement, remontez. Voilà, on se détend un peu. Là. Et puis, on se met en appui sur les avant-bras. Et on fait quelques six. Un deux pieds vers l'avant. Et on pose. On souffle. Très important. On a fait des ciseaux horizontaux, on va faire des ciseaux verticaux.
Toujours prendre les pieds vers l'avant. Et on pose. Croisez un peu les jambes. Le dos bien droit. Et puis maintenant, vous allez récupérer la tête bien droite. Inspire. Expire. Rétention de souffle, c'est-à-dire que entre l'inspire et l'expire, je vais garder l'air dans mes poumons 3 secondes. Et cet air, vous le repoussez. L'idée, c'est de le repousser vers le bas du ventre. Inspire. Rétention. Soufflez. On pousse vers le bas en gonflant le ventre. C'est l'idée. Hein. C'est la respiration tout à fait normale et traditionnelle des nourrissons. Donc regardez un nourrisson dans son berceau, hein, vous verrez que le ventre monte à chaque fois qu'il inspire et descend à chaque fois qu'il expire. Voilà, c'est ce qu'on appelle la respiration abdominale, même si on n'a pas de poumon dans le ventre. Voilà, c'est important de retenir ces respirations. Ensuite, on peut passer donc à genoux, si vous le pouvez. Hein. Là, mettez les mains comme ça sur les hanches. Vous fixez un point sur le mur. Vous mettez la main gauche dans la main droite, les pouces en contact. Voilà. Et puis, vous fixez un point. Et vous laissez partir votre esprit. Voilà, mes chers amis. L'idée. Voilà tout le monde, je vous dis au revoir, je vous souhaite un bon dimanche. Une fois que vous êtes chaud, allez faire un petit tour comme je vais faire là, un petit peu de footing, de jogging autour de mon pâté de maison là. Et puis après, une bonne douche et c'est parti pour la journée. Au revoir.